salut à tous. Nous sommes sur le Job 7, Just One Barbell, Just One Barbell 7, Job 7. Donc le job numéro 7, juste une barre. Enfin en français, ça ferait jube, pas job. Donc on a 3 séries à faire pour l'échauffement. 3 sets for the warm-up. 8 HRPU with Superman Wings. Donc, vous faites un HRPU, donc end release push-up. Je suis en position de pompe, je descends. Là, je vais lever les bras, aller devant et passer derrière, toucher mes fesses. Je reviens. You raise, down, push, and do a circle. And go back. 8 fois, vous faites donc 8 HRPU plus Superman Wings. Deuxième mouvement. Vous êtes en position de planche inversée. Vous êtes en gainage. J'enlève un bras, je viens chercher derrière et je reviens. Et vous alternez une fois le droit, une fois le gauche. You alternate between the two arms. When you reach, you extend your hips and you open your chest. 8 times, 4 per side. Third exercise, troisième exercice d'échauffement. Clean and press, empty bar. Barre vide, vous avez la barre dans les mains. Vous prenez comme si vous étiez au sol. Muscle clean, strict press. It's warm up, slowly. Donc vous le faites tranquillement, c'est l'échauffement. Deuxième partie, vous allez avoir un protocole donc avec un soulevé de terre segmenté, a segmented deadlift, with 1 minute rest, 1 minute de repos, and after that, alternate presses, presse alternée. Donc le premier, soulevé de terre segmenté, vous avez une prise normale d'épaulé, vous allez partir au sol, on the floor, you stop it, 3 seconds, vous stoppez sous le genou 3 secondes, 1, 2, 3, au-dessus du genou, 1, 2, 3, à mi-cuisse, 1, 2, 3, lève-toi, ok, 3 pause, 3 seconds, under the knee, above the knee, middle thigh. When you have finished, extend, don't exaggerate, extend. And after that, quand vous avez fini ça, vous descendez. 1, 2, 3. 3 seconds down on the eccentric face. This is segmented deadlift. A good movement. After 6 reps, 6 répétitions de ce mouvement segmenté. Après ça, vous avez 1 minute de repos. Après la minute de repos, alternate presses. Bar on the clavicles. You push it behind the head. You push it on the clavicles. You push it behind the head. And you alternate 8 times. Donc vous alternez 8 fois entre clavicule, vous poussez, bras tendus complètement et derrière la tête. 8 répétitions. You can change the weight between the two exercises. Just back for the deadlift. Donc vous mettez les poids juste pour le soulevé de terre. Vous pouvez changer de charge. Ne chargez pas comme des mulets sur le soulevé de terre, faites-le proprement, faites-le concentré. C'est presque un mouvement, non pas d'échauffement, mais de renforcement musculaire. Donc le plus important, c'est la connexion esprit-muscle, plutôt que la charge comme un mulet et faire ça comme un bourrin. So, the most important thing for the segmented deadlift is the connection, the mind-muscle connection. So, be concentrate and try to move with your muscles, not with just nerves. Après ça, donc là, ça, vous allez le faire 5 fois. So it's 5 sets of these 2 exercises in supersets. After that, you've got a barbell Metcon. Donc, vous avez un barbell Metcon, donc un Metcon avec barre, dans lequel vous allez avoir 3 mouvements. Le clean and press strict. So the first exercise is the clean and press. Le deuxième exercice, c'est le clean and push press. The second exercise is the clean and push press. And the third one is the clean and jerk. It's 15 reps for the first one, 25 reps for the second one, 35 reps for the third. Donc c'est 15 répétitions, 25 répétitions, 35 répétitions. Le poids suggéré, the weight I suggest, it's just a suggestion. For the men, it's 60 kilos, 50 kilos, 40 kilos. Donc le poids suggéré pour moi, je dirais 60 kilos, 50 kilos, 40 kilos pour les mecs. And for the women, I suggest, it's just a suggestion. 30 kilos, maybe 30 kilos, 25 and 20, maybe less for the woman. Donc, le poids suggéré pour les filles, c'est donc 30 kilos, 25 kilos et 20 kilos, ça dépend de votre press strict. Donc, the weak link is the press, the strict press. So, it's this exercise
ou determine the weight. Donc 15 répétitions, clean and press, je clean, ok, je me tends, donc je, you've got to extend your legs, and after you press. So it's two phases. The first is the clean and the second one is the press. Même chose pour le clean and push press. 25. You clean first. And you can, for this movement, you can push press. As soon as you clean it, you clean and push press. Yes, you can do that because it's a push press. 25 times. Donc vous pouvez faire ce mouvement d'amorti sur la barre à l'épaulée et une presse immédiate parce que justement le push press initialise les jambes. The third one, the third exercise is 35, donc 35 répétitions de clean and jerk. Là par contre, attention, si vous êtes ici, donc vous cleanez, donc vous pouvez aussi sur un amorti, mais n'oubliez pas, un jerk c'est deux squats. So a jerk is two squats. You do the first one here and you jerk. When you jerk, you can switch, you can do power jerk, split jerk, whatever, but I suggest you with this weight, push jerk. Donc bien sûr, vous pouvez faire des split jerks, vous pouvez faire des power jerks, mais bien sûr, avec ces charges-là, je suggère des push jerks, c'est plus rapide et plus confortable. Donc j'épaule, j'amortis et je jerk. Extend, always extend, n'oublie pas l'extension de hanche à la fin. Donc, 15 répétitions, 15, 25, 35. And in the end, you've got a front squat ladder. You have the bar on the clavicles, like this, you do 10 front squats, 3 burpees. Burpees is active recovery, slowly, okay? Don't do it fast, just like that. Just like that, why? Because you will do 10 squats, 9 squats, 8 squats, 7 squats, 6 squats, and so on, till 1. 3 burpees between each rep. After that, you take 3 minutes rest and you do it again. Okay, so it's 110 approximately front squats with 60 kilos. So you take the same weight than the protocol before. Donc vous prenez la même charge que le protocole précédent. Donc j'ai 10 front squats, 3 burpees en récupération active. J'ai bien dit en récupération active. 9 squats, 3 burpees. 8 squats, 3 burpees. 7 squats, etc. Donc de 10 à 1, après ce protocole de 10 à 1, vous prenez 3 minutes de récup et vous reproduisez ça deux fois. I hope you will have a good training. This is the job. Just one barbell number 7. Have a good day. See you. Ça ne marche toujours pas la télécommande. Alors qu'est-ce que je fais? Je le fais avec la main.